La Société laitière de l'Accueil est une coopérative de transformation de fromage située au pied du Puy de Sancy, au cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne. Elle est spécialisée dans la production de fromages à pâte persillée, comme le bleu d'Auvergne et la fourme d'Ambert, et transforme chaque année 30 millions de litres de lait en 4000 tonnes de fromage. La coopérative joue un rôle sociétal particulièrement important puisqu'elle compte aujourd'hui 51 producteurs adhérents, tous situés dans un rayon de moins de 25 km et emploie localement une centaine de salariés. Énergie 3 ProWatt, spécialiste de l'énergie, a accompagné pendant 5 ans la société laitière de l'Accueil dans la transition énergétique et la rénovation complète de ses installations, du dimensionnement jusqu'à la réalisation des travaux. Énergie 3 ProWatt, c'est une entreprise de 25 personnes, basée à Lyon et dans le sud de la France. Notre objectif, c'est chacun à notre niveau d'apporter notre pierre, faire ce qu'on peut faire sur la transition énergétique et écologique. Deuxièmement, c'est d'aider nos clients à libérer de la marge de manœuvre financière en économisant de l'énergie, ce qui peut leur permettre de créer des emplois. Et enfin, c'est de faire grandir les gens. Faire grandir les gens en interne, faire grandir les gens confort. Le métier d'Énergie 3 ProWatt, c'est d'aider nos clients à consommer moins d'énergie et à l'acheter moins cher. Pour ça, on a 4 axes de savoir-faire qu'on développe chez nos clients. Le premier, c'est l'ingénierie énergétique, c'est-à-dire sur des équipements pour qu'ils consomment moins d'énergie. Le deuxième, c'est l'expertise en achat d'énergie, acheter l'énergie le moins cher possible au meilleur moment pour la bonne durée. Le troisième, c'est de mettre en place des contrats de performance énergétique pour garantir les consommations dans la durée. Et le dernier axe, c'est de former nos clients pour qu'ils montent en compétence sur les 3 axes évoqués précédemment. Ces 4 axes, nous les avons déployés auprès de la société laitière de l'Accueil pour lui permettre de réduire et de maîtriser ses consommations d'énergie dans la durée. Dans sa démarche de gestion de l'énergie, la coopérative a souhaité mettre en place une démarche globale qui nous permette à la fois d'aborder les problèmes de conception des installations, de modernisation des installations et de consommation. Quand la société laitière de l'Accueil nous a contactés, il s'avérait que ces installations étaient vraiment vétustes avec des gros problèmes de conformité, avaient un très mauvais niveau de performance énergétique et étaient dans une phase de transition pour sortir d'une gestion internalisée et peu industrialisée de sa maintenance et de ses énergies pour aller vers des solutions d'avenir, tant en termes techniques que d'organisation. Nous avons souhaité aborder le problème de l'énergie dans le cadre de la modernisation de l'entreprise. Dans ce cadre, il était vraiment important d'avoir autour de nous des experts qui nous permettent d'aborder globalement la situation et qui nous permettent d'intégrer des technologies qui nous sont adaptées. Nous avons accompagné la laiterie de l'Accueil sur différents sujets énergétiques, notamment la chaufferie vapeur, la production de froid, le traitement de l'air, l'air comprimé. Donc différentes utilités qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie. La ressource énergétique pour une fromagerie est une ressource très importante. Nous devons réceptionner du lait produit tous les jours et le pasteuriser à réception pour le stabiliser. La pasteurisation est très consommatrice d'énergie, en particulier de vapeur. Nous devons ensuite faire coaguler le lait pour fabriquer les fromages. Nous avons besoin d'amener la température du lait à 32 degrés pour lui permettre de cailler. Ensuite, nous avons des protocoles et des procédures qualité qui nous imposent de pasteuriser, de stériliser et de nettoyer régulièrement les installations et le bâtiment. Donc l'eau chaude est une ressource extrêmement importante. Nous la produisons directement à partir de la vapeur. La vapeur, dans l'industrie, est beaucoup utilisée, notamment dans l'agroalimentaire. C'est un poste important de dépense pour la laiterie, un peu moins de 200 000 euros par an. C'est pourquoi ils ont souhaité rénover cette chaufferie pour 3 raisons principales qui étaient environnementales. C'était une chaufferie qui consommait du fioul lourd, qui avait des émissions, des rejets qui ne répondaient plus à la réglementation. La deuxième raison était une question de fiabilité des installations qui devenaient de plus en plus vétustes. Et enfin, une question de maîtrise des coûts, d'énergie et de maintenance. La chaufferie a été le premier investissement à réaliser. Énergie 3 ProWatt nous a orienté vers la récupération de chaleur pour la réinjecter dans nos process et dans nos bâtiments. Le principe d'une chaudière vapeur, c'est de transformer de l'eau en vapeur à des températures de presque 200 degrés et sous pression. C'est un processus gourmand en énergie et notamment en combustible. Cette chaufferie est performante énergétiquement pour 3 raisons. La chaleur perdue habituellement dans les fumées, environ 10% de l'énergie consommée, est récupérée par le biais de 2 échangeurs. Le brûleur s'adapte aux variations des besoins de vapeur en continu. Des compteurs et un suivi énergétique permettent de suivre la performance et d'éviter les dérives. Pour cet exemple de la chaufferie, nous avons commencé par analyser les besoins vapeur, ce qui nous a permis de redimensionner la chaufferie à un niveau de puissance plus bas. Donc le client a pu économiser sur l'investissement de départ. Ensuite, nous avons pu lui préconiser des optimisations énergétiques. Et enfin, renégocier un contrat de maintenance qui permet au directeur du site de maîtriser son budget et la performance énergétique dans la durée. Pour une performance optimum, Énergie 3 ProWatt
assiste aussi la laiterie dans l'optimisation continue de ses achats d'énergie. Le deuxième investissement concernait nos besoins en froid. Nous utilisons aujourd'hui le froid pour contrôler les températures et l'hygrométrie de nos caves d'affinage de fromage. Et nous avons besoin également de froid pour nos frigos, pour conserver les produits. Les technologies de l'entreprise étaient anciennes et les compresseurs étaient en fin de vie. Le froid est indispensable dans le process de la laiterie. Il représente 50% de la consommation d'électricité, soit environ 100 000 euros par an. Le projet avait trois objectifs principaux. Rénover entièrement des installations vétustes avec un maximum d'efficacité énergétique, supprimer un fluide frigorifique polluant par un fluide à faible impact environnemental, maîtriser les coûts énergétiques et de maintenance. L'idée était d'intégrer des technologies modernes et de la récupération d'énergie. Nous avons accompagné la laiterie pour mettre en place les solutions qu'on préconisait, en remplaçant les groupes froids, en améliorant sa performance énergétique. Un groupe froid consomme de l'électricité pour produire du froid, mais produit aussi de la chaleur non voulue, qui est donc fatale. Cette chaleur était jusqu'alors perdue. L'installation que nous avons proposée aux clients est une installation performante énergétiquement, mais ce qui en fait sa particularité, c'est que nous avons souhaité récupérer l'ensemble de la chaleur produite par ces groupes froids pour produire de l'eau chaude qui sert au lavage, mais aussi pour chauffer les locaux. L'innovation dans ce projet, c'est aussi cette boucle de chaleur gratuite de récupération traversant le site. Cette chaleur vient réduire les consommations d'électricité et de gaz. L'énergie chez nous représente 2% des charges de fonctionnement de l'entreprise, donc ce n'est pas fondamental. Par contre, ce qui l'est, c'est le niveau d'investissement. Globalement, ça représente 25% de notre capacité d'investissement et c'est quelque chose qui aujourd'hui pèse extrêmement lourd dans nos budgets. L'optimisation de la rentabilité des projets énergétiques passe aujourd'hui systématiquement par l'expertise et la recherche de subventions et aides à l'investissement. Énergie 3 ProWatt a accompagné la laiterie dans l'identification et l'obtention de plus d'un million d'euros sur les deux projets. La pérennisation de l'activité de l'entreprise passe par une vision long terme. Et en matière d'énergie, on ne peut pas investir les mêmes technologies tous les 10 ans. Il est important d'intégrer la notion de maintenance et de maintenance à moyen et long terme. C'est pourquoi nous avons choisi la possibilité d'intégrer trois niveaux de maintenance, la maintenance de court terme, la maintenance de moyen terme et le renouvellement des équipements, ce qui évitera à nos successeurs d'être obligés de recommencer la même démarche dans 10 ou 15 ans. L'énergie ne sera durablement maîtrisée que si les compétences sont transmises aux industriels. La laiterie l'a bien compris et Énergie 3 ProWatt a formé successivement trois référents énergie dans le cadre du programme ProRéfi. La laiterie, c'est vraiment un exemple emblématique de ce qu'on est capable d'apporter comme valeur ajoutée à un client. En effet, chez lui, on a déployé l'ingénierie énergétique sur plusieurs sujets, notamment la vapeur et le froid, mais il y en a d'autres. On l'aide en continu à acheter le mieux possible son gaz et son électricité. On a mis en place des contrats de performance énergétique, un sur la vapeur, un sur le froid, qui lui garantissent dans la durée les résultats. Et enfin, on a formé plus de 3 personnes chez eux au poste de référent énergie. Sur le projet vapeur, comme sur le projet froid, Énergie 3 ProWatt a défini et mis en place des contrats de performance énergétique avec une visibilité sur 5 ans et sélectionné des prestataires capables de porter les différentes garanties de résultats énergétique, budgétaire, fiabilité. Notre mode d'accompagnement de la société laitière de l'accueil se fait dans le cadre d'une offre présence qui pour nous sont des offres qui sont mensualisées et qui permettent aux clients d'avoir accès à un pôle d'experts énergie pour traiter ces sujets techniques achat maintenance. Un bon contrat devant être bien conçu et bien piloté, Énergie 3 ProWatt assure le suivi continu des prestataires en charge de ces contrats. Le partenariat avec Énergie 3 ProWatt nous permet de nous projeter dans l'avenir et d'intégrer à la fois à travers la maintenance, l'accompagnement à la conception et le suivi des dossiers, la vision d'avenir. C'est une vision qui est extrêmement importante puisque cette entreprise a 70 ans, on compte bien l'amener au siècle et si on veut l'amener dans de bonnes conditions, il nous faut un partenariat sérieux et professionnel. Les résultats de notre intervention auprès de la laiterie, c'est d'abord d'avoir des installations qui répondent aux besoins du client et qui sont pérennes dans le temps. C'est aussi près de 20% d'économies sur la facture énergétique annuelle, 450 tonnes équivalent CO2 évitées chaque année. Et enfin, une rénovation complète des installations énergétiques avec un temps de retour sur investissement inférieur à 2 ans. Avec Énergie 3 ProWatt, prenez le pouvoir sur vos énergies.